Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez-moi ce terrain de jeu assez idyllique que l'on va pouvoir s'offrir pour la journée, une longue journée. On a 50 000 à parcourir au minimum. Vous voyez que le temps est pour l'instant idéal, il est prévu de la pluie, donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, jusqu'à hier il y avait des orages de prévu et finalement ça ne sera pas le cas, donc moi c'est surtout la foudre qui m'embête. Voilà, bah écoutez, que dire de beau. Ici vous avez la crête là, qui s'arrête comme ça, c'est la frontière italienne. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un péage, c'est carrément le péage de la frontière, quoi, de l'ancienne douane. Et je vais vous montrer quand même... Ponton essence, je regarde juste à quelle hauteur c'est les pare-battes. Hein. C'est pas tout en haut non plus. Hein. Il est un tout... Ouais, quand même. Si, si, c'est hauteur de liston. Donc on viendra peut-être faire l'essence tout à l'heure. Et vous voyez, ici, vous avez le magnifique donc, port avec Menton qui se trouve là. Tout ici. Voilà, et une belle sirène qui va nous saluer. Notre départ. Voilà, bah écoutez, l'endroit est vraiment très agréable, bien plus calme que peut-être le restant de la Côte d'Azur. Bon, on garde quand même les mêmes codes, etc. Mais c'est vrai qu'on est coincé entre l'Italie et Monaco. Il y a très peu de Français au final. J'étais assez surpris de voir que plus de la moitié des gens ici parlent italien, plus que français. Il y a plus d'Italiens que de Français, en gros. Et voilà, écoutez, j'ai hâte de découvrir un petit peu cette petite navigation là, sur cette couleur incroyable, ça va être génial, voilà. Donc pour ça, moi ça fait maintenant peut-être une semaine que je suis là, un peu moins. J'ai récupéré des choses qui étaient importantes avant de continuer mon périple. Et donc maintenant que tout est à bord de Saori, on va pouvoir se diriger gentiment et continuer notre périple vers l'est. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Saori est faite la forme. Je vais pouvoir aussi vous en parler peut-être un peu plus en détail par la suite. Mais pour l'instant, eh ben, écoutez, on va essayer de ne pas trop traîner. On va essayer de profiter que pour l'instant, le vent ne s'est pas levé. Il n'a pas tourné, il ne s'est pas levé encore. Mais juste après, ça va être parfait parce qu'il va se mettre au portant. Et il va commencer normalement à souffler un petit peu. Hein. Donc c'est exactement des conditions qu'on rêve depuis très longtemps, puisqu'ici dans le golfe de Gênes c'est très particulier, parce que quand il y a du vent d'est, bah il y a du vent d'est, donc c'est face à vous quand vous voulez aller dans ce sens là et quand il y a du vent d'ouest, et bah le problème c'est qu'il passe au-dessus de la Corse et qui tourne dans le golfe de Gênes et qui revient à l'inverse le long de la côte. Il y a une espèce de petit comme ça, comme les courants qui rentrent dans une baie. Bah là c'est pareil, c'est le vent, il rentre dans ce grand golfe de Gênes. Il va s'écraser sur l'Italie et carrément il revient en face. Donc vous pouvez avoir deux vents à sens carrément opposé. Un qui longe la côte et un qui va un peu plus au large vers la Corse, etc. Vers le nord de la Corse. Voilà, et pour une fois, ce vent-là n'est pas. Et donc on va avoir un vrai vent d'ouest qui longe la côte. Étant extrêmement rare, et ben on en profite, c'est aujourd'hui ou jamais. Voilà, bah écoutez, moi je vais retourner à Saori. Dernier séjour en France, j'ai quand même eu de belles rencontres, de beaux échanges, etc. Pas forcément avec des Français, mais en général dans cette petite ville. On est ici à Port-Garavant, hein, donc c'est un petit peu plus encore vers l'Italie que Menton, avec le vieux port qui se trouve tout là-bas. Ils sont assez proches l'un de l'autre, on peut y aller à pied. Mais c'est une très très bonne escale que je vous conseille si vous êtes dans le coin. C'est vachement sympa, ils ont été très agréables avec moi, la capitainerie, et ça fait du bien. Voilà, on ne demande pas grand chose hein, pourtant, on demande juste d'être gentiment accueillis, qu'on nous reçoive de manière cordiale, etc., etc. Enfin, c'est rien d'incroyable. Hein. On veut une place, de l'eau et de l'électricité, et des douches pas trop sales, pas grand chose. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure sur l'eau. Bye bye, on va essayer de perdre le moins de temps possible parce que là c'est le moment d'appareiller. Ciao ciao.